bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous avais promise, un mini tuto pour le keeling. Vous vous rappelez, j'avais acheté ce kit à Action, voilà, donc j'avais dit que je vous montrerai comment ça fonctionne. Alors, en sachant que moi je suis là pour le keeling, je suis une super débutante. Donc je vais vous montrer ce que j'avais déjà fait auparavant quand j'avais mon premier kit avant que je le revende. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait il y a un an, je me rappelle parce que j'ai marqué la date. Donc voilà, j'avais fait ça. Bon, c'est du tout simple, hein, vous voyez, donc, une petite fleur, voilà. Là j'avais fait comme pour une carte. Voilà, donc une fleur aussi avec des petites gouttes, on va dire. Voilà. Alors, désolée, hein, là je me suis mise dans mon salon aujourd'hui parce que dans ma pièce, mon atelier, bah, il fait tout noir à cause du temps, mais bon, dans le salon, c'est pas beaucoup mieux. Moi que j'essaye d'allumer. Voilà. Alors, on verra peut-être mieux. Oui, je pense que c'est mieux. Donc, je vous remontre. Voilà. Donc ça c'est la petite fleur que j'ai faite, voilà, la carte, voilà, et j'avais fait un, j'avais commencé, il n'était pas fini celui-là, en 3D, un keeling en 3D, voilà, voyez, hop. Donc bon, ça ressemble à un palmier, on va dire. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comme je vous dis, en sachant que moi je suis vraiment très débutante là-dedans, voilà, c'est, faut pas faire trop attention si je fais des erreurs. Donc je vais sortir le matériel. Alors là j'ai pas tout puisque le kit de chez Action est pas vraiment complet, mais pour débuter c'est déjà très bien. Donc il y a la plaque que je vous avais montré, donc pour faire les formes, donc pour faire des triangles, des cœurs, voilà, des ronds, etc. On a le petit stylo, enfin je sais pas si on appelle ça un stylo, mais bon, donc il y a une petite fente que vous n'arriverez pas à voir, voilà, où on va passer le papier et pour le rouler. Donc les bandes de papier 3 mm, alors celles-là elles font 5 mm et là 3 mm, voilà. Il vous faut un petit ciseau, un crayon gris, de la colle. Alors c'est pareil, bon là je vais me servir de celle-là, mais l'idéal c'est d'avoir un petit flacon de colle très fin, vous savez, comme avec une aiguille au bout. Comme ça c'est beaucoup mieux, mais bon, on fera avec celui-là aujourd'hui. Et si Fifi veut bien me rendre ma feuille, voilà, et une feuille de papier, voilà. Donc là j'ai pris du cardstock de chez Action. Alors on va d'abord faire, alors je vais faire en 5 mm, c'est plus facile. Donc voilà comment ça se... Attends mon fifi, hop là, voilà, merci. Voilà comment ça se... Comment les feuilles... Ah, les bandes de papier sont... Donc c'est des bandes de papier un petit peu épaisses aussi, mais pas trop pour qu'on puisse bien les travailler. Alors, on va peut-être prendre une noire au début. Voilà, bon, je ne sais pas ce que je vais faire comme dessin, on verra bien l'usage. Voilà, donc vous prenez votre feuille, votre bande. Alors on va la glisser dans le petit stylo. Alors, et je vois qu'il y a quelque chose qui gêne dans le stylo, ça commence bien. On dirait qu'il y a de la colle dedans.
c'est action, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi il y avait de. Voilà. Bon, normalement, ça devrait aller. Donc, on prend la feuille, on la glisse dans la fente du stylo, voilà, comme ceci. Et on va rouler tout simplement. Alors, voilà. Et on roule. Si vous entendez du bruit, bah, c'est ma voisine, hein, comme d'habitude. Donc on roule, on roule, on roule, on roule. Donc on fait pas trop lâche et pas trop serré pour pas avoir de difficulté à retirer après. Alors là, on va faire un rond pour l'instant. Donc là, je vais faire toute la bande. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la bande, hein, ça dépend ce que vous allez faire, bien sûr. Hop là, je suis bien. Elle est encore en train de crier sur ses enfants. Et ben voilà ce qui arrive quand on lâche. Ça y est, je vais recommencer. Voilà, vous voyez. Donc là, j'arrive au bout. Bon. On retire le stylo. Alors, pour faire un rond, par exemple, on va faire celui-ci. Alors, attends, je vais peut-être remettre la caméra comme ça. Voilà. Voilà, donc vous voyez. Préparer ma colle. Et là, vous avez le petit bout de papier, le petit bord. Alors, attendez, moi je n'ai pas de retour, voilà. On va mettre un petit point de colle. Hop là, il est bien petit. Je le suis un peu au doigt. Voilà. Donc là, on a notre rond. Alors, ce que l'on peut faire aussi, vous voyez, je vais vous montrer comme ça, voilà. Ce que l'on peut faire aussi, après, on peut le pincer. Alors, par exemple, je peux pincer des deux côtés, voilà. Et vous voyez, ça me fait ça. Donc, ça fait comme un œil. Je vous montre. Alors, je vais coller sur ma feuille. Mais c'est vrai que là, bon, celui-là de. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc on va continuer. Bah, peut-être en mettant une autre couleur. On va mettre du rose. Non, Fifi, elle veut jouer avec mes bandes de papier. Non, 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 tu peux pas. Et pareil, on va enrouler. Non! Fifi, maman, elle veut pas. Ah, elle a trouvé un jeu. Tu peux pas. Et on enroule. Donc, vous voyez, comme ceci. Fifi, s'il te plaît.
Désolée, je crie, mais elle veut m'arracher le petit truc noir que je viens de faire. Alors on va le faire toute une bande aussi pour celui-là, par exemple. Alors ici, par exemple, on va laisser comme ça. On peut laisser rond serré. Donc dans ce cas-là, vous laissez sur votre stylo, vous mettez votre petit point de colle. Ah, ça colle sur les doigts, mais pas sur le papier. On attend que ça colle. Voilà, vous voyez? Hop. Et là, on le retire. Et on a notre petit rond de papier. Donc pareil, bon, on va le coller. Bon, ça va pas, je sais pas quel dessin ça va me donner, hein, mais là c'est vraiment pour vous montrer comment on s'en sert. On va peut-être le mettre là, voilà. Voyez, voilà. J'attrape chaud. Ouh. Allez, on va en faire un deuxième. Et après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre aussi. Bon, Fifi, s'il te plaît. Maman va te mettre en bas de la table. Allez, on enfile. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas si ça va être. Je pense que ça va être flou. Voilà, voyez. Et on va rouler. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours garder la même tension quand on roule. Non. Tu sais qu'on voit ta grosse tête sur la caméra. Au bout, je vais mettre mon petit point de colle. Voilà, c'est vrai que ça colle, hein. Et on retire. Voilà, mon petit rond. Alors vous regardez le plus beau côté, hein, parce que moi je trouve qu'il y a toujours un côté moins beau que l'autre. Voilà, la colle. Donc là, on va le mettre ici, par exemple. Oups. Voilà. Donc là, ça vous donne ça, déjà. La caméra, parce qu'elle ne poussera pas sa tête. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors ensuite, on peut. Alors je vais prendre une autre couleur pour changer. Alors, on va prendre le violet par exemple. Voilà. Non! Arrête, Fifille! Tu es vilaine. Et là, par exemple, on va. Donc je vais couper la bande parce que j'aurai pas besoin de tout. Ça par exemple, voilà. Et ici, je ne vais couper, je ne vais rouler que qu'un bout. Voilà. Alors, ça veut ou ça veut pas? Voilà. Et je vais laisser une petite bande comme ça, par exemple.
Donc, je vais mettre un point de colle. Ah, je mets toujours des gros points de colle, ça m'embête. Je prends un petit papier. Voilà. Voilà, donc là on aura avec une petite queue, un petit rond avec une petite queue. Et on va par exemple pouvoir, donc si je veux que ça aille un peu dans l'autre sens, on peut reprendre l'autre côté juste pour le rouler un peu, pour lui donner la forme. J'ai dû prendre ma pince. C'est bon. Donc, je mets un point de colle toujours. Ah, j'ai oublié de mettre mon point de colle sur le rond. Voilà, voyez. Voilà ce que ça peut donner. Donc après, je peux reprendre celui-là. Je peux lui faire une plus grande queue, on va dire. Voilà. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Rouler jeunesse, comme on dit. J'espère que vous voyez bien, mais bon, c'est vrai que là, c'est petit comme... Hop là, voilà, c'est rien. Je veux comme ça. Voilà, j'ai fait petit exprès, donc là je vais mettre mon petit point de colle. Voilà. Je serre ma bande. Et par exemple, là je veux que ça fasse. Alors attends, j'ai coupé ce ton trop. Voilà. Donc est-ce que là ça va aller? Non, il faut que je le mette dans l'autre. Pour faire une goutte, par exemple. Et je vais faire une pointe que d'un côté. Comme ceci. Je vais le coller sur le papier, vous verrez mieux. Hop, hop, hop. Alors l'idéal c'est de travailler avec un genre de pince à épiler. J'ai oublié de la prendre avec moi, j'en ai une par là. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ici. Donc voilà, puis après bon, on fait comme on veut, hein. On fait les formes que l'on veut. Bon, je vous referai peut-être d'autres tutos hein, là-dessus, mais là bon, c'était pour vous montrer un peu ce que c'est, ce que ça fait. Allez, je vais vous en refaire un. Donc toujours, voilà, le papier dans la fente du stylo et on enroule. Fifi, non!
Oh, c'est pas pour jouer ça. Fallait jouer à maman, pas à toi. Donc on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Là, je vois que je suis partie un peu de travers. Voilà, je corrige tout de suite avant de serrer. Non! Oh, mais! C'est une vilaine, hein? Elle voit les ombres, alors elle veut les attraper. Voilà. Donc là, par exemple, on va faire un rond. Fifi. Donc, je vais mettre mon petit point de colle. Avec mon couteau, comme j'ai pas mon Fifi, s'il te plaît, elle a décidé de m'embêter aujourd'hui. Voilà, donc là je peux faire par exemple, alors je peux remettre un petit point de colle à l'intérieur. Voilà. Je pince d'un côté. Vous voyez, je voulais faire un rond, mais en fin de compte, j'ai changé en cours de route. Voilà. Et là, un petit point de colle sur le côté pour que ça tienne bien. Et un petit point de colle derrière. Et on va venir le mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est un peu abstrait, hein, on va dire. Donc, on peut aussi faire des bandes. Alors, je vais reprendre une violette ou une rose plus foncée. Oui. Donc avec ça, vous pouvez faire des jolies cartes, vous pouvez faire plein de choses, des petits tableaux. Et regardez sur Google, tapez Killing, image Killing ou photo Killing. Vous regardez sur Google, il y a des personnes qui font alors des choses vraiment magnifiques que je ne me sentirais pas capable d'en faire. Peut-être un jour, avec beaucoup d'entraînement. En trop, toujours mon petit point de colle. Voilà. Donc là, je vais le chercher comment je vais le mettre. Donc un petit point de colle ici. Voilà. Voilà ce que donne le killing. Mais je vous dis, après, vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez, par exemple, comme ici, je fais des grandes tiges, on va dire, à ma fleur. Voilà, on peut faire pas mal de choses de forme. Et ça peut faire des choses magnifiques. Bon, là, pour l'instant, je le finirai, hein, certainement, celui-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que là, bon, il est un peu abstrait. Mais
Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, juste à enrouler le papier autour du stylo, d'avoir votre colle, et voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, dessiner, c'est pour ça que j'avais dit un crayon gris, dessiner la forme que vous voulez, par exemple un papillon. Voilà, donc vous dessinez légèrement votre papillon, et après vous savez que vous allez travailler à l'intérieur de vos traits pour faire la forme du papillon. Comme il montre sur l'exemple, alors vous voyez, voilà, comme ici par exemple. Donc non, moi, je sais que c'est un truc qui me plaît. Bon, j'avais tout acheté au début, puis bon, j'ai tout revendu parce que bon, je pense, je me suis dit, j'accroche pas. Et ben là, maintenant que c'est ressorti, si ça me redonne envie de le faire, et puis de m'améliorer, parce que là je vous dis, c'est vraiment là c'est vraiment du débutant hein. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on débute, et puis bon, j'ai quand même pas mal de défauts dessus. Donc voilà, donc celui-là je terminerai certainement, je vous montrerai quand j'aurai fini. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que le killing c'était. Si vous voulez des vidéos sur le killing, que je vous remontre des choses que je ferai, ben n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Voilà, si ça vous a plu, ben dites-le moi, si ça vous a pas plu, ben dites-le moi aussi, hein. Et on se retrouve donc très très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bisous bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures.